Depuis jeudi 12 octobre, le mystère de la disparition de Marwan Berhini a pris fin. Le corps de l'acteur, qui n'avait pas donné signe de vie depuis le 4 août, le lendemain après avoir commis un délit de fuite, a été retrouvé dans une bâtisse abandonnée située à Corcelles en Beaujolais, Rhône. Les affaires du comédien de Plus belle la vie étaient disposées non loin de son cadavre et il semblerait que le jeune homme de 34 ans se soit donné la mort par pendaison, même si une autopsie va prochainement être réalisée. Ce vendredi 13 octobre, Le Progrès a dévoilé le témoignage du fils du propriétaire de cette ferme laissée à l'abandon, qui aurait fait la macabre découverte. La veille, vers 14h05, il serait tombé sur le cadavre décomposé de Marwan Berhini, puis a rapidement contacté les autorités. Je n'étais pas venu depuis plusieurs mois. C'est une maison qu'on envisageait de rénover, a-t-il d'abord expliqué à nos confrères, en précisant qu'il se trouvait en compagnie de S, mon frère et d'apostrophe, un conseiller pour les travaux au moment des faits. J'ai vu un corps au sol, dans une pièce sombre, en bas de la maison. Je n'ai vu que les chaussures et le pantalon. Je suis vite ressorti et nous avons appelé les gendarmes, a-t-il déclaré. Supérieur à supérieur à Laetitia Milo, Fabienne Cara, Ambroise Michel. Retour sur les stars de Plus belle la vie. Une identification officielle du corps attendue dans 3 à 15 jours alors que les analyses ADN n'ont pas encore été obtenues pour prouver officiellement qu'il s'agit de Marwan Berhini. Il faudra entre 3 et 15 jours pour avoir les résultats, le fils du propriétaire de la fameuse bâtisse laissée à l'abandon depuis une dizaine d'années a fait part de son sentiment sincère sur cette triste affaire. S'il s'avère que c'est cet acteur, je suis presque rassuré que ce soit lui. Au moins, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. De son côté, le père du comédien a réagi dans les colonnes de Libération, en se disant avec émotion que la porte de l'espoir s'est refermée, mais qu'il garde néanmoins une grande colère d'avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice depuis qu'il a signalé la disparition de son fils. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bestimage. I just need